pourquoi le gouvernement canadien s'apprête à voter une loi qui obligerait les cyclistes à porter le casque. Parce que même un choc mortel moderne peut provoquer des dommages irréversibles. Je ne sais pas ce que tu dis. Là, j'ai des choix qui n'est pas réversible, qui ne concerne que dans. On sait que les blessures à la tête sont à l'origine de la plupart des décès et blessures graves. En fait, 3 cyclistes sur 4 qui perdent la vie succombent à un traumatisme crânien. Parce que même un choc modéré peut provoquer des dommages irréversibles au cerveau, porter un casque peut éviter de graves séquelles cérébrales, voire sauver la vie. Selon une étude réalisée à Seattle aux États-Unis, le casque réduit de 80% la gravité des traumatismes crâniens et de 88% celle des lésions au cerveau de. Ensuite, imagine le casque que tu acceptes régulièrement de porter pour notre randonnée d'aujourd'hui. Tu vas aller ajuster ta vitesse, beauté. T'avais du fun, toi, dans tes écouteurs. Va dans tes options, ajuster ta vitesse. Il était pas là. Ouais. Allez, ajuste ta voix. Va, recule et va ajuster la voix. Parce que là, t'as tout ce qu'il faut pour rire. Là. OK, ta vitesse de lecture, tu la réduis. Remonte-la un petit peu. On va l'essayer pour voir si ça te convient. Comment ça va? Bon, ce sera le fun à l'écrit que tu ne dormes pas, fait qu'on va la remonter un peu. On essaye d'en voir. Bonjour. Comment ça va? Combien? OK.
C'est ce que j'aime le plus dans le total? Le vocabulaire. Le vocabulaire est intéressant. Regarde juste ici, là.